Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. On se retrouve dans un vlog un petit peu hors série réno déco maison parce qu'en fait c'est un vlog qui est en collaboration avec Secret. Le plan du jour, je vous le dis tout de suite, c'est de premièrement me préparer avec vous, puis entre autres là je vais pouvoir vous parler du nouveau déodorant qui ont sorti qui est sans aluminium, donc c'est le désodorisant Secret à l'eau de rose qui est comme ça. Fait que je vais vous en reparler vite vite dans quelques secondes ou minutes et ben c'est ça, en attendant je vais finir de me préparer, puis après on fera une FAQ parce que j'aime ça que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça sur ma chaîne de vlog, puis pourtant excusez, je vais juste me crémer le visage en même temps. Puis pourtant, ben c'est ça, j'ai l'impression que des fois vous avez peut-être des questions pour moi, des questions soit plus perso ou en lien avec mon travail, avec les rénaux, je sais pas, mais en tout cas je vous ai demandé la question hier sur Instagram, fait que tantôt on va aller voir c'est quoi vos questionnements, puis je vais vous répondre avec grand plaisir, fait que ça va être essentiellement ça aujourd'hui. Petite pause entre les vlogs rénaux déco parce que je sais que vous aimez ça, mais des fois je me dis, est-ce que vous êtes tanné d'en voir aussi, je sais pas, là c'est comme un sujet très récurrent sur ma chaîne. Fait que bref, là je finis de me crémer, je vais me maquiller en accéléré, m'habiller, faire mes cheveux rapidement. Ils sont un peu frisés encore, mais je vais juste les repuncher un petit peu. Puis après, ben après-midi, on fera une petite FAQ. Voilà! Fait que si ça vous tente de rester, ben vous êtes les bienvenus! Bon, le maquillage est fait, là je vais faire mes cheveux. Comme je dis, j'avais déjà une pas pire base. c'est juste que ça a un petit peu foufou. Je vais essayer de les peigner rapidement. Ils ont gardé pas mal leur wave puis leur volume, fait que ça je suis contente. Je vais juste friser ça rapido comme ça. Bon, fait que je suis presque prête, j'ai fait mes cheveux, mon maquillage, je me suis changée et là on va aller dans la salle de bain parce que je vais me laver les dents puis mettre mon désodorisant. Je croyais vraiment qu'on appelait ça un déodorant, mais ça semble être le mot en anglais. On aurait appris ça un matin au moins. Venez vous dire. Ok, donc le nouveau déodorant de Secret, il ressemble à ça si jamais vous voulez le voir en pharmacie. J'en avais parlé sur mon Instagram récemment, si vous me suivez, vous avez peut-être vu. Je vais m'en appliquer, excusez. Mais je l'aime vraiment beaucoup justement pour la maison parce que j'ai pas besoin d'une très haute protection là. T'sais, c'est sûr que si je m'en allais, je sais pas moi, courir un marathon, peut-être que je prendrais un autre désodorisant que celui-là. Mais pour une protection comme de tous les jours à la maison, dans mes petites activités relax, il est vraiment parfait. Il est léger, puis c'est ça, il y a pas de stèle d'aluminium dedans. Il sent super bon en plus là. Eau de rose là, c'est vraiment celui-là que je vous conseille le plus. Puis ce que j'aime là, c'est qu'il laisse rien, genre aucune sensation, il est pas gras, il est pas collant, puis il est transparent aussi, puis je vais vous le prouver parce que je peux pas vraiment vous montrer sur mon aisselle, vous allez pas voir la différence, mais je vais mettre genre dans mon miroir juste ici, vous allez voir. Regardez-moi ça. Hop. Ouhou! Est-ce que vous voyez quelque chose? Je pense que je l'ai trouvé comme ici, mais on voit même pas honnêtement. Je vais l'enlever avec un mouchoir comme ça, puis vous allez voir là, il y a rien, c'est pas grand! Fait que voilà, c'était juste mon petit segment ce matin sur cette nouveauté-ci que j'ai testée pendant plusieurs semaines et que j'ai franchement aimé, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller de l'avant avec cette campagne-ci. Mais c'est ça, en gros, je suis vraiment contente d'avoir trouvé un désodorisant sans aluminium qui convient à mes activités journalières relax à la maison et aussi, très important, qui tâche pas les vêtements foncés parce que mon précédent le faisait, donc là j'ai mon bonheur avec ce produit-là. Là. Donc voilà, et sur ce, moi je vais aller préparer le dîner, puis on se revoit juste après pour la FAQ. Bye! Oh. Bon, je suis fin prête à faire la FAQ. Je me suis mis à côté des miss ici, trop cute, en train de faire sa petite sieste. Excusez, en passant le bordel derrière, comme vous savez, on est dans le processus réno déco. Il y a quand même des petits réno à faire ici finalement là. Faut que je peinture ma simèse entre autres. Ben simèse, je sais pas comment ça s'appelle là, mais cette affaire là, plainte en tout cas. Ok, fait que je vais aller sur Insta tout de suite. Ah tiens, il y a une bonne question ici de Cléo qui me demande « Que conseillerais-tu à une fille complexée par sa morphologie en A? » Ben moi, écoute, Cléo, je vais te dire qu'est-ce qui m'a aidée, parce que quand j'étais jeune, un mot que j'utilisais souvent pour me décrire, en fait, c'était difforme. Et quand je repense, je me dis, mon Dieu, que c'était violent envers moi, tu sais. Mais c'était vraiment comme ça que je me voyais dans le miroir, parce que je me disais, voyons, je suis toute petite en haut, mais en bas, j'engraisse comme vraiment facilement. Puis je pensais que c'était pas normal, parce que je regardais les autres autour de moi, puis il y avait pas cette silhouette-là nécessairement. Quoique, je suis la copie conforme de ma mère niveau physique, elle aussi, elle a les hanches plus développées que les épaules, un petit peu plus, en tout cas. Mais peut-être que c'est parce que quand
quand j'étais ado, je m'identifiais pas à ma mère comme physiquement. Donc je me suis plutôt naturellement tournée vers des célébrités que j'admirais, entre autres Shakira. J'ai eu une passe Shakira quand j'étais plus jeune. Je connaissais toutes ses chansons par cœur, j'ai même commencé à danser comme elle, puis c'est là que j'ai vu l'avantage d'avoir des grosses hanches. Parce que je me suis dit waouh, je peux faire plein de mouvements super facilement que des fois d'autres personnes peuvent pas. Fait que je trouvais ça rigolo à l'époque. Puis franchement, de la voir elle belle, confortable dans sa peau, sexy mais pas provocante, ça m'a tellement inspirée. Tu sais, je me disais Shakira, je la trouve belle, je trouve qu'elle fait femme, elle est épanouie, tu sais. Fait que pourquoi je suis pas capable de ressentir la même chose pour moi qui a la même silhouette? Puis j'ai eu la même réflexion plus tard à l'âge adulte par rapport à ma mère. Tu sais, quand je voyais une photo d'elle plus jeune en bikini, j'étais genre mais j'ai le même corps, puis je la trouve belle. Fait que je pense définitivement de suivre des gens sur Instagram, de regarder comment les célébrités qui ont cette shape-là s'habillent, ça peut vraiment aider à accepter mieux nos courbes parce qu'il y a vraiment des vêtements qui vont mettre ça en valeur. Comme quelqu'un qui a une forte poitrine par exemple peut avoir certains vêtements qui vont l'aider soit à mettre sa poitrine en valeur, soit à l'équilibrer comme elle préfère, mais tu sais, c'est ça, je pense que c'est un mix de confiance en soi puis de aussi comment on s'habille parce que c'est sûr que ça a un impact sur l'apparence globale. Marie-Lou Garneau veut savoir, as-tu l'intention d'avoir un enfant bientôt? Alors non, je veux pas vous décevoir, mais vraiment pas. J'ai toujours pensé que j'aurais un enfant assez tard dans la vie et à date la tendance se maintient. J'ai jamais voulu être une maman tôt. Il y a même des périodes de ma vie où je me remets en question, est-ce que je veux vraiment être maman? Est-ce que je suis juste influencée par la société? Mais ça c'est une autre histoire, je vous en reparlerai peut-être éventuellement. Mais ça fait une couple d'années en fait, plus je vieillis, là j'ai 27 puis je suis comme oh my god, à chaque fois que je pense à ça, sérieusement c'est un gros tourment pour moi dans ma tête. Je sais pas quoi penser de ça des fois. Fait que si vous voulez, à un moment donné, on en reparlera en vidéo. Je ferai une vidéo juste là-dessus sur les bébés. C'est sûr qu'on fait pas des bébés tout seul non plus, hein. Fait que ça implique Patrick aussi. Mais non, je peux vous dire que les deux, on n'en veut pas prochainement. Par contre, je sais que mon chum, ça le stresse un peu d'avoir des bébés trop tard parce qu'il me dit qu'il y a des risques plus développé pour la santé, mais en même temps ma mère a eu tort, puis tu sais, j'ai pas de problème quelconque, donc je pense pas que c'est si grave que ça. En tout cas, je prendrais le risque là, mettons, si je serais prête vraiment tard. Je pense que ma mère a eu à 36, 37, je me rappelle plus, mais elle m'a eu assez tard, pis tu sais, moi, c'est ça, j'ai eu aucun problème avec ça. Oh, il y a May vraiment qui me demande, question très simple, comment vas-tu? Hey, merci, c'est tellement genre la question. En fait, on pose cette question-là comme ça, à gauche, à droite, à tout le monde, à des gens qu'on s'en fout de la réponse, mais les gens qui sont vraiment importants pour nous dans notre vie, des fois, j'ai l'impression qu'on leur demande pas sincèrement, hey, comment ça va? Fait que je pourrais dire que ça va bien, je suis débordée, mais je commence à accepter mieux ça. C'est-à-dire que là, je me connais après plusieurs années aussi, comme de ma petite entreprise, si on veut, je sais qu'il y a des périodes vraiment plus occupées que d'autres. Des fois, j'ai de la misère à l'accepter parce que j'essaie de me revoir, ou des fois même, je vais rechecker des anciens vlogs pour voir comment j'étais, tu sais, comment j'étais, dans quel état d'esprit à ce moment-là. Parce que par exemple, une fois, j'ai rechecké des vlogs de moi qui jardinais puis qui faisait du blog et tout ça, puis là, ces temps-ci, j'ai zéro le temps le blog, fait que je suis comme, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe? Est-ce que j'ai plus d'engagement qu'avant? Qu'est-ce qui fait que je suis plus occupée puis que je peux plus faire tout ce que je faisais avant? Fait que des fois, honnêtement, j'angoisse un petit peu par rapport à ça, mais c'est tout le temps par rapport au travail, au sens où j'adore ce que je fais puis je veux continuer à le faire, mais j'ai besoin d'aide de temps en temps et j'arrive pas à trouver comme la personne idéale parce que, un, je suis pas game de laisser entrer un inconnu dans ma vie personnelle et professionnelle. Et deux, ben je suis pas non plus une grosse entreprise là, au sens où je peux pas me permettre d'engager un monteur, un caméraman, quelqu'un qui va préparer ci, ça, ça, t'sais. Fait que ça reste un de mes struggles depuis les dernières années. Mais sinon, ça va bien la job, j'ai des belles opportunités qui s'en viennent, j'ai hâte de vous en reparler. Et c'est ça qui me motive le plus dans la vie, je pense là. Vous aurez compris que je suis vraiment une businesswoman avec les deux questions. Mais sinon, personnellement, ça va bien, honnêtement. Je pensais à ça l'autre jour, puis je sentais vraiment que mon deuil de Jack, par exemple, était derrière moi. Je pense moins à lui aujourd'hui. Je veux pas que ça vous blesse que je dise ça. C'est juste, ouais, c'est signe que je vais bien, en fait. Avant, chaque fois que je pensais à lui, ben, j'avais comme de la tristesse rattachée à ça. Mais vous m'aviez dit à l'époque, genre, à un moment donné, tu vas te rappeler Jack, puis ça va être des bons souvenirs qui remontent. C'est sûr que quand je parle de lui un petit peu, je deviens comme émotive, mais c'est ça, j'ai plus le réflexe d'y penser comme day to day. Faut dire que cette petite cocotte-là, qui se cache la face, trop cute. Elle nous met beaucoup de joie dans la maison. Lily, elle a beaucoup évolué, beaucoup grandi. Tout ce qu'elle faisait qui nous énervait un peu quand elle était plus jeune, elle a lâché ses habitudes-là. Fait que c'est vraiment une bonne chatte. Elle est en santé. J'espère que ça va continuer de bien aller comme ça. Vous voyez, j'ai pas d'enfant, donc moi je parle de mes chats comme si c'est mes bébés. Mais c'est ça pour le côté plus
personnel. Et puis avec Patrick, ça va super bien. Le couple est très stable en ce moment. Puis j'ai manqué de batterie, ça a coupé. Donc oui, je disais qu'avec Patrick, écoutez, ça va bien, c'est stable. On est vraiment dans une bonne passe et ce depuis plusieurs mois, j'ai l'impression. Donc je peux pas me plaindre, honnêtement. Si j'avais à me plaindre, je dirais en fait que je vois pas assez mes amis puis que je vois pas assez ma famille. Comme toute bonne workaholic, ce serait mes petites choses à travailler. Mais ça revient tout le temps en fait que je suis trop occupée. Je prends pas assez de temps pour moi non plus, temps personnel, sport, ce que vous voulez. Ça c'est tout comme mes goals, mes wishes à chaque année, mais j'ai bien de la misère parce que je suis énormément sollicitée et je m'en rends compte de plus en plus en parlant avec d'autres gens comme... Ça n'a pas rapport, là. Je veux pas me plaindre, là, mais ça n'a pas rapport comment je suis sollicitée en ce moment. Fait que désolée en passant, des fois je peux pas vous répondre sur Instagram, des fois je regarde des messages, mais j'ai même pas le temps de répondre parce que j'aime mieux prendre cette énergie-là à faire du montage, à faire d'autres choses, mes 10 millions de projets, donc voilà. Mike Gagné me demande c'est quoi que tu voulais devenir quand tu étais jeune. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question-là sur ma chaîne principale, mais quand j'étais jeune, genre première carrière que je me rappelle, j'idolâtrais Britney Spears et les Spice Girls. Écoutez, je suis une fille des années 80. Fait que c'est sûr que j'ai eu une petite passe pop star au primaire. Après ça, au secondaire, j'ai vraiment trippé en art dramatique, donc j'ai voulu être comédienne. Donc c'est pour ça que je me gâte dans le temps de l'Halloween sur ma chaîne, quand je fais des gros maquillages, je fais tout le temps un petit scénario de départ là. Ouais, j'aime vraiment ça, puis honnêtement, c'est un truc qui reste en dedans de moi là, comme à un moment donné, c'est sûr, si j'ai des opportunités d'être comédienne, je sais pas où, je les prendrais parce que j'adore ça, jouer des personnages. Ah, je savais qu'il aurait celle-là. Maxime Roux, penses-tu acheter un nouveau chat? Adopter plutôt. Non, on prévoit pas vraiment adopter un nouveau chat avec Patrick. C'est pas que l'envie n'y est pas. Pat, à chaque fois, il me relance là-dessus. Je pense qu'il aimerait vraiment ça. Encore là, c'est dans le sens avoir un ami pour Lily. Sauf qu'on s'était dit la même chose pour Jack. Oh, on va y emmener un ami, mais les chats, ça marche pas comme ça. Si vous voyez des chats en liberté, là, en général, ils chillent pas en gang, là. Tu sais, c'est assez solitaire. Puis ça a toutes des règles que nous, on comprend pas les humains, mais ils se parlent entre eux. Ils ont des codes, tu sais, qui a le droit d'être où, à quelle heure. Et tout ça, j'ai tout appris ça de l'éducateur en passant. Puis c'est ça, je sais pas, des fois ça se passe bien, mais honnêtement j'ai l'impression que ça se passe souvent mieux quand t'adoptes, mettons, deux bébés chats en même temps, mettons, frère et soeur, whatever. Comme quand un chat est plus vieux, là, Lily, elle a... T'as quel âge, hein? T'as quel âge, Lily? Je pense qu'elle a 2 ans. Elle est pas très vieille, mais tu sais, plus le chat il est vieux, plus il a ses habitudes, plus c'est dur d'en introduire un autre. Moi, vous le savez, vous avez vu ça dans les vlogs, mais j'ai pas une super bonne expérience d'introduire deux chats ensemble. Donc, je crois pas pour l'instant. J'ai mieux aussi donner toute mon énergie à Lily. Comme je dis, c'est pas que ça me tente pas, c'est juste que j'ai peur encore. J'ai trop vécu une mauvaise expérience. Ça s'est soldé par la perte d'un chat, donc j'ai pas envie de revivre ça, que ce soit avec elle ou avec le nouveau venu. Donc, je crois pas. Honnêtement, malheureusement, même si j'adore les chats et que j'en prendrais 10 millions chez nous. Ça aussi, c'est une question classique de FAQ. Audrey 19 veut savoir est-ce que j'ai des tatouages et sinon, qu'est-ce que j'en pense? Alors non, je n'ai aucun tatouage, sinon vous les auriez déjà vus. Je n'ai pas non plus l'intention de me faire tatouer. Ça n'a jamais été une de mes envies. J'aime bien ça, le petit perçage ses oreilles. Mais les tatous, c'est juste que je sais pas quoi me faire tatouer. Qu'est-ce qui serait assez significatif pour moi aujourd'hui qui va l'être aussi dans 50 ans. Aussi le fait que ça vieillit mal, tu sais, des fois sur la peau, qu'il faut que tu ailles faire les retouches. Et aussi, j'ai vraiment, vraiment peur d'avoir mal parce que je suis un peu moune. Fait que pour toutes ces raisons, non, j'en veux pas. Par contre, mon chum, il y a plein de tatous ses bras. Je trouve ça beau. J'ai aucun problème avec ça. C'est juste que moi, j'en veux pas. Raphaël Potvin me demande depuis combien de temps je connais Patrick. Ça fait 7 ans et quelques qu'on soit ensemble. Je suis tellement nulle avec les chiffres que je sais même plus. Donc comme on a été amis un petit bout de temps avant, j'ai l'impression que ça fait à peu près, ça fait 8 ans qu'on se connaît. On est en 2019, je l'ai connu en 2011. 2011 c'était l'année que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Fait que ça fait 8 ans que je le connais. C'est long hein, quand même, c'est pas pire, c'est pas pire. Ouh, ça c'est une question un petit peu personnelle. Audrey Desjardins, ben pas trop personnelle là, je vais répondre, mais Audrey veut savoir est-ce que je serais prête à adopter. Puis honnêtement, on a déjà eu la discussion avec Pat, puis oui. Je sais pas si éventuellement on a des enfants, si je voudrais pas un adopté puis un que j'ai fait. Je sais pas là, ma réflexion est pas rendue là, mais je suis pas fermée à l'adoption. Franchement, quand j'y pense, c'est plein de sens pour moi. Déjà que la terre est surpeuplée. En tout cas, je sais que Pat était ouvert sur le sujet là. Vraiment, là, il me semble que c'est même lui qui a abordé le sujet à un moment donné. Ouh, Ophélie Bélanger me demande c'est quoi ma protéine végétale préférée. J'adore, c'est la première fois qu'on me pose des questions même sur ma bouffe. Écoute, bonne question. Je trouve les PVT vraiment, vraiment pratiques parce que c'est pas cher, t'achètes ça en gros sac, merci, bonsoir. Ça, tu peux faire ça manger à n'importe quel omnivore, il va jamais s'en rendre compte que c'est pas genre du steak haché. C'est vraiment très similaire.
Mais je l'utilise pas si souvent que ça. Faudrait que je me trouve des nouvelles recettes pour cuisiner parce qu'en général, j'ai pitch comme dans une sauce à spaghetti. Mais l'autre fois, on a fait des tacos avec ça. Puis c'était vraiment bon. Tu sais, tu prends ça, tu les mets dans l'eau, tu les égouttes. Puis tu mets de l'assaisonnement à taco dessus. Fait que ça goûte pareil. C'est vraiment bon. Pas t'as adoré ça en tout cas. Sinon, j'avoue qu'on cuisine à chaque semaine vraiment avec du tofu puis des légumineuses. Mais de mille et une façons, on se tente pas. Claudia Magada me demande quelle est la prochaine pièce que tu vas rénover, redécorer. Bon. À l'exception du boudoir et du salon qu'on est en train de faire actuellement, je dirais que le prochain gros step pour nous, à l'exception de tout ce qui est à l'extérieur, ça serait le sous-sol que je vous ai pas montré officiellement encore. Je pense que j'ai montré la salle de bain qu'on refaisait celle en haut, mais je vous ai pas montré l'ensemble et j'ai franchement pas envie de vous le montrer en ce moment parce qu'il est dégueulasse, il est juste comme plein de stocks à vendre, à donner, à aller porter à l'éco-centre. Il est vraiment pas utile en ce moment, il est vraiment pas inspirant, puis j'ai quelques idées pour, mais je sais pas si je vais retravailler avec une designer, par exemple Sophia, je sais pas, parce que c'est un peu plus complexe, là, tu sais, c'est comme un grand espace, puis il faut que je trouve plein d'idées pour que ça devienne vraiment multifonctionnel. Fait que ce sera ça la prochaine étape. Pour l'instant, vraiment, là, comme je vous dis, je vais pas dans le sol, on l'utilise pas vraiment, c'est bien correct comme ça, mais j'ai quand même hâte, il y a quand même une petite porte dans ma tête qui est comme, ah, oh, j'ai hâte qu'on fasse le sous-sol, mais ça sera pas pour tout de suite, ça sera pas avant minimum l'automne ou l'hiver prochain, parce que là il fait beau puis j'ai juste envie d'aller ouvrir mon cabanon puis tout installer, ma terrasse, voilà. Oh, ça c'est drôle comme question. Béatrice Archambault, à quelle fréquence tu laves tes pinceaux à maquillage? On te voit jamais le faire dans tes vlogs. Oh! Ah ben excusez, c'est pas parce que vous me voyez pas le faire que je le fais pas. C'est comme caca, je fais caca mais vous le voyez pas parce que je le filme pas, tu sais. Non, franchement, ben j'ai deux façons de laver mes pinceaux, comme j'imagine tout le monde ou tout le monde devrait. J'ai le petit spray qui sert à des nettoyages rapides et secs, comme pour passer rapidement d'une couleur à l'autre. Donc je le fais quand j'ai besoin pendant les tutos, mais je le filme pas, ça sert à rien. Et il y a le plus gros nettoyage que je fais pas si souvent que ça, parce que pour vrai, j'utilise un peu tous les mêmes pinceaux day to day. Donc avant un contrat de maquillage, avant un cours de maquillage, là c'est sûr que je vais toutes prendre mes 10 millions de pinceaux, puis prendre genre 30 minutes pour les laver, mais c'est super long. Fait que je le fais quand c'est vraiment nécessaire. Il y en a qui sont plus germ freak, puis qui vont aimer ça le faire à chaque semaine, mais c'est pas mon cas. Vraiment, là, c'est plus les pinceaux comme de fond de teint, les affaires, là, c'est ça que tu veux pas trop de bactéries sur le visage, I guess. C'est plus ceux-là qui ont besoin d'un gros clean-up en profondeur avec un savon, donc ça je le fais dans la salle de bain. Mais j'ai pas vraiment de fréquence exacte, ça dépend vraiment des looks que je fais puis à quel point je chaline mes pinceaux. Mais si vous voulez que je vlogue ça, je vais le faire, inquiétez-vous pas! Ah, Aurore pose une question pour toi, Lily. Elle demande si tu perds pas trop de poils parce qu'elle dit « mon chat c'est l'enfer ». Écoutez, en ce moment c'est le printemps, donc il y a comme un petit lien là, je pense, avec la mue, donc elle en parle un peu plus depuis une semaine, mais là vous voyez déjà dans les derniers jours c'était moins pire, c'est juste que je me promenais récemment dans la maison puis je voyais tout le temps des gros motons de poils. C'est ça qui est drôle vu qu'elle a le poil long, elle perd pas son poil comme un par un comme Jack, mettons qu'il avait le poil court raide, elle va vraiment perdre comme un petit moton, c'est comme des petits motons de sous-poil que quand elle se gratte, ça décolle puis ça tombe à terre, fait qu'à chaque fois je pense qu'il y a une araignée noire à terre, mais au moins ça se ramasse bien, tu fais juste pouf dans la poubelle, ça met pas des poils partout, puis non franchement elle perd pas trop, j'ai l'impression qu'on l'a toujours nourrie avec une bonne bouffe elle, puis je pense que ça fait vraiment une différence, tant pour les chats que pour les chiens, parce que je me rappelle aussi Jack qui perdait son poil là, comme tout bon chat d'intérieur, puis quand on l'avait changé de nourriture pour le mettre sur le cru déshydraté que je vous avais déjà montré aussi dans les vlogs, ça l'avait arrêté, comme il avait perdu du poids, le poids qu'il fallait, il avait un poil super beau, il perdait plus, il avait comme plein d'avantages, fait que j'ai l'impression que c'est quand même relié peut-être au type d'alimentation qu'on donne aux chats et aux chiens. Puis Lily, ce que j'aime c'est qu'elle a toujours le poil full doux, j'ai genre rarement touché un chat qui est si doux, j'aimerais ça que vous puissiez la flatter parce que c'est incroyable, mais elle se lave beaucoup là, elle entretient son poil, ok, mais ouais, franchement on est bien chanceux avec elle pour ça aussi. Encore une question alimentation. Daphné Dumoulin me demande est-ce que ça a été difficile d'arrêter de manger de la viande. Franchement non, ça s'est vraiment mieux passé que je pensais, parce que je pense qu'on est allé graduel. Je me suis pas fixé un objectif, ça a juste comme pour moi c'était comme le gros bon sens après tout ce que j'ai appris, puis j'ai comme graduellement ajouté des recettes végétariennes à notre menu, puis ce qui est arrivé c'est qu'un jour il y a juste ces recettes là qui ont pris le dessus des autres. C'est vraiment juste ça là. Je me suis pas dit ok, trois fois par semaine faut que je mange végé, c'est juste comme j'ai trouvé tellement de bonnes alternatives qui étaient super nutritives, super savoureuses, j'ai appris à cuisiner avec ça, j'ai redécouvert la bouffe honnêtement, puis ben c'est ça, c'est devenu ça, on mange végé à la maison, c'est super facile, puis pas de soucis, il y a eu aucun problème là. Je vous en avais parlé dans le vlog avec le nutritionniste urbain ou l'autre là, mais mon
chum a pas de réticence à manger des plats végé ici. Lui, tant que c'est bon, il mange. Alors je m'arrange pour que ça soit bon parce que moi aussi je veux aimer ça. Oh, bonne question ici. Tara me demande d'où te vient ta passion pour les plantes et le jardinage? Écoute, je sais même pas quoi te répondre. Je sais même pas d'où ça vient. Genre, il y a personne qui m'a donné la piqûre dans mon entourage, je sais pas, tu sais, je veux dire, j'ai vu ma mère jardiner quand j'étais plus jeune, il me semble qu'on n'avait pas énormément de plantes d'intérieur à l'époque, donc j'ai aucune idée d'où ça vient, mais je peux vous dire que ça a commencé avec les plantes d'intérieur, ça a commencé à l'appart juste avant qu'on déménage. Mauvaise idée, faites pas ça, c'est vraiment chiant à déménager des plantes parce que tu veux pas qu'ils renversent. Fait que malheureusement pour moi, ma passion s'est commencée juste avant le déménagement, j'ai commencé à les collectionner à ce moment-là, et là ici, ben j'avais plein de place, fait que j'ai continué à en acheter plein en quincaillerie à chaque fois qu'on y allait parce qu'on faisait des travaux. Fait qu'à chaque fois qu'on allait en quincaillerie, je pognais une plante que j'avais un coup de cœur dessus. Donc ça a commencé comme ça, puis vraiment ça, je suis capable d'identifier de où ça part. Par contre, c'est évident que c'est Pinterest parce que il y a comme 2 ans, 3 ans, 4 ans déjà, je sais plus, il y a eu comme le gros comeback des plantes en déco. C'est là que tout le monde s'est mis à acheter des plantes puis à essayer de comprendre comment les garder en vie puis tout ça. C'est la déco qui m'a emmenée aux plantes d'intérieur, mais j'ai découvert vraiment une passion via ça, donc merci décoration intérieure, tu m'auras fait aimer les plantes et les découvrir. Et de là, ben une fois en maison, on a une belle grosse cour, puis il y avait rien dedans, il y avait juste un petit potager avec la rhubarbe qui repousse, donc je me suis amusée à comme planter des fleurs, planter des légumes, des choses comme ça, puis j'ai l'impression que je suis juste au tout début honnêtement, parce que j'ai pas encore beaucoup d'expérience là-dedans. J'ai genre des rêves là de cours pas possible, là. Si vous allez voir mon Pinterest, genre dans Perfect Backyard, je sais pas quoi, vous allez voir que j'ai vraiment des idées de grandeur, comme les décors tout verts, là, ça me fait rêver, puis j'aimerais ça rendre ma cour encore plus verdoyante, puis faire des plates-bandes encore plus magnifiques cet été, maintenant que j'ai compris certains trucs de base. Fait qu'en tout cas, je vous en reparlerai, là, c'est sûr que je vous fais des vlogs jardinage. Bunny Book me demande, as-tu déjà songé à tout arrêter? J'imagine que tu veux dire job, là, carrière, pas genre tout arrêter. Mais si on parle de job, genre de YouTube, comme plusieurs ont eu des remises en question, oui, j'en ai encore, mais je pense pas que j'ai déjà vraiment songé arrêter, comme fermer ma chaîne, non. C'est à l'opposé de mon rêve, donc non, je ferai pas ça. Par contre, est-ce que c'est difficile sur YouTube? Oui. Est-ce que c'est plus difficile qu'avant? Oui, malheureusement. Je pourrais vous faire un vlog ou une vidéo à part là-dessus un jour, si jamais ça chute, que ça va vraiment pas bien, je pense que je vais avoir besoin de vous en parler. Je me suis retenue plusieurs fois dans les 2 dernières années parce que c'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui que, par exemple, en 2016, pour bien des créateurs aussi, c'était comme ça. YouTube nous met un petit peu les bâtons dans les roues. Vous avez probablement vu aussi qu'il y a plein de YouTubeurs en burn-out pour les mêmes questions que j'ai abordées au début, comme quoi qu'on travaille énormément, même si ça paraît pas des fois pis ça a l'air bien fun. Fait que faire une pause, oui. Tu sais, des petites pauses, oui. Mais arrêter, abandonner tout ce que j'ai construit pendant 8 ans, non. C'est sûr que non. Ah, on en a parlé, ça aussi tantôt. Lise veut savoir, est-ce que je fais un sport? Non. Je suis désolée. Je suis pas une sportive née, je suis plus du type artistique sportif, à moins que ça se peut les deux sûrement, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut comme que tu te... je veux dire, t'as pas du temps pour tout faire, hein, fait que malheureusement ou heureusement, moi, ça passe dans d'autres activités. Pour des questions de santé, j'aimerais ça m'y remettre, mais à chaque fois, dès que mon horaire devient trop intense, j'arrive pas à me booker ça. Il faut que je tasse d'autres affaires pour faire du sport, dans le fond, puis c'est comme des compromis qui sont difficiles à faire. Par contre, je peux te dire, Lise, que quand j'étais jeune, je faisais de la gymnastique et que ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que justement, je trouvais que c'est un sport un peu plus artistique, si on veut. Tu sais, c'est quand même combiné un peu avec de la danse, puis il y a plusieurs disciplines, donc j'avais pas l'impression de m'ennuyer, j'apprenais plein de choses. Donc la gymnastique m'a donné des petits bras musclés, vous voulez voir? Mais là, ça fait longtemps que j'ai rien fait, mais regardez! J'ai encore des muscles! Quand j'étais jeune, là, j'avais des photos, ok, c'était bombé comme ça. J'étais chamboyant bas. J'ai appris récemment que nos muscles, quand on est enfant, en fait, on a comme une mémoire musculaire jusqu'à un certain âge, je me rappelle pas quand, mais c'est pour ça que quand je refais certains sports, mes muscles, ils ont pas de... En fait, en quelques fois, en une fois ou deux, là, je revois mes muscles sortir, c'est assez impressionnant, mais j'en profite pas. Si je voudrais, là, je pourrais faire des abdos, des bras, tout ça, puis je muscle facilement, mais je rack aussi vraiment très facilement, j'imagine que c'est relié. Sinon, pour les sports que j'aime danser. Moi, je considère que c'est du sport, comment je danse quand je me mets de la musique en haut. Bou, 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 c'est vraiment du sport. Sinon, j'aime vraiment courir. Mais c'est ça. Des fois, comme là, l'autre semaine, j'étais bonne, j'étais allée plusieurs fois, puis là, ça fait
2-3 semaines que je suis pas allée. Fait que c'est comme tout le monde, I guess, la motivation fait ça, le temps fait ça. Mais ouais, pour l'instant, les seules choses qui m'intéressent, à part là que ça va être l'été puis que je vais pouvoir nager dans ma piscine, faire des petites longueurs, me reposer, tout ça, ça j'ai vraiment hâte. Parce que l'été, j'ai l'impression que je suis peut-être un peu plus sportive que l'hiver. Je suis pas une fille d'hiver ou de sport d'hiver. Fait que courir dès qu'il fait beau, parce que ça aussi l'hiver, je peux pas, genre je m'étouffe dans ma respiration. Donc jogger, nager, danser, puis gymnastique, mais bon, j'en referai pas nécessairement à mon âge. Je crois que j'en aurais trop perdu. Mais c'est pas mal ça, mes sports préférés. Ah, le soccer aussi, mais ouais, soccer, j'ai déjà été pas longtemps dans un groupe, là, comment on appelle ça? Un club, je sais plus comment on dit, en tout cas un gros plat de soccer à Montréal. Mais je me trouvais pas assez bonne, j'ai commencé très tard et j'ai lâché. J'ai lâché pas mal toutes les disciplines sportives que j'ai essayées dans ma vie. Je sais que je vous ai fait dépenser beaucoup d'argent là-dedans les parents, je suis désolée. Si vous regardez ce vlog, je suis vraiment désolée. Je pense qu'un jour je vais vous repayer tous les abonnements que j'ai lâchés. J'étais jeune. Oh là là! Fait que j'espère que ça répond à la question. J'ai répondu pendant une heure. On va finir avec une question un petit peu sérieuse. Donc c'est Lianne Bonté qui me demande « C'est quoi ton truc pour dealer avec l'anxiété si tu en fais? » Alors je vais t'apprendre malheureusement que non, j'en fais pas. Je dis malheureusement parce que j'aurais aimé ça t'aider. Mais heureusement pour moi parce qu'en fait, il y a des gens dans mon entourage qui en font. Pas mal de gens même. J'ai beaucoup de connaissances. Mais des gens que je connais en tout cas, proches ou moins proches, que je sais qu'ils ont ça puis ça a l'air vraiment, mais vraiment pas rigolo. Donc je compatis du fond du cœur, mais non, je suis pas une personne anxieuse parce que maintenant je sais c'est quoi l'anxiété et je vois vraiment la différence avec le stress. Donc moi je dirais vraiment que je suis une personne stressée, mais pour moi le stress c'est quelque chose de ponctuel, c'est pas permanent comme l'anxiété d'une certaine façon. Ben quoi qu'on peut parler de stress chronique, mais disons que moi mon stress il arrive quand il y a un événement stressant dans ma vie. Le reste du temps je suis zen. Si je suis en vacances, peu importe mon stade normal, c'est vraiment comme... c'est posé, normal. Mais s'il y a un événement stressant, genre, je sais pas, quelque chose par rapport à la job la plupart du temps, ben c'est sûr que là, mon stress va monter puis je vais ressentir des symptômes de ça, mais c'est pas de l'anxiété parce que je suis pas toujours comme dans ma tête en train de penser, mettons, à l'avenir, à comment ça va être demain. Tu sais, oui, si j'ai une entrevue, je sais pas, à la télé le lendemain, je vais comme peut-être moins bien dormir, je vais être un peu stressée. Mais ça, c'est des choses que j'ai pu identifier qui font partie des déclencheurs un peu du stress. Là, j'ai lu un super bon livre sur le stress le mois passé. En tout cas, ça fait un petit bout déjà, je suis déjà en train d'en lire plein d'autres, mais ça s'appelait Pour l'amour du stress par Sonia Lupin, c'est ça? Lupins? Je me rappelle plus, mais je vais vous l'écrire ici. Sérieusement, là, game changer. Si vous êtes stressé, même si vous n'êtes pas stressé, je veux dire, tout le monde est un peu stressé, lisez ce livre-là, ok? C'est vraiment, vraiment super intéressant. Plein d'affaires que j'avais jamais su, puis pour vrai, c'est ça, ça aide vraiment à relativiser un petit peu par rapport au stress. Puis ben ça aussi, ça m'a confirmé que j'étais pas anxieuse, mais bien stressée. Qui est pas la même chose comme on pense des fois. Fait que voilà tout le monde, j'espère que ça répond à vos questions. J'espère qu'on a appris à se connaître un petit peu plus. Si jamais vous avez aimé ça, que je fasse une FAQ, que vous voulez que j'en fasse un peu plus fréquemment, hein, quand les questions sont différentes et nouvelles, c'est le fun, ben je pourrais essayer d'en faire un peu plus souvent sur ma chaîne de vlog. C'est pas mal tout, fait que si vous avez aimé le vlog, faites un petit like. Je vous retrouve très rapidement pour la suite de la transformation du boudoir et du salon. Ah oui, puis je voulais dire merci aussi encore une fois à Secret qui a sponsorisé ce vlog-ci. Donc un gros merci à eux et à vous de me permettre de vivre de ma passion, clairement. Je vous aime très très fort et je vous dis à dans quelques jours. Bye!